Alors, j'étais parti sur un plan A, et un plan A qui tombe à l'eau. Problème d'accès, problème d'horaire d'accès. Je pourrais pas être à l'endroit que je souhaitais, à l'horaire que je souhaite, c'est-à-dire au coucher de soleil et à l'heure bleue. Donc improvisation d'un plan B. Voilà, donc bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Puisqu'a priori, même mon plan B c'est mal barré. Voilà, je vous montre. En fait, je voulais prendre la défense et justement l'arche de la défense en perspective, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière moi là. Mais grosso modo, il y a des travaux, donc j'ai le choix. Respecté, enjambé. Et on verra. Je vais faire le tour et sinon, j'ai un plan C. Toujours au niveau de la défense pour le coup et et je verrai bien si mon plan C il fonctionne ou pas. Voilà, donc ça risque d'être un petit périple ce petit vlog à suivre. Alors j'ai peut-être un plan C parce que mon plan B est définitivement mort. Ils ont mis des barrières là où je voulais me positionner, même si j'enjambais les barrières, donc des barrières derrière des barrières, ça va pas le faire. Donc grosso modo, j'ai mon plan C premier, ça va être cet angle là, voilà, qui est juste derrière moi, avec pour le coup certainement une photo pour changer verticale. Je suis très adepte du 16/9 et de l'horizontale. Et bien là pour le coup, il y a peut-être quelque chose qui s'y prête en pouvant incruster les immeubles, le pont avec sa courbe et justement en bas, il y a la route qui passe qui pourrait me permettre de faire des traînées lumineuses de voitures. Donc une composition verticale, je prends note, je vais aller à mon plan C numéro 2 et voir ce que ça peut donner. Alors je suis arrivé à mon plan C numéro 2, voilà, un autre angle de vue. Je vais rester vraiment non pas sur le parvis de la défense mais vraiment sur le côté Neuilly, c'est-à-dire au niveau de la Seine, même sur la petite île qui traverse la Seine. Et l'avantage que ça va me donner, voilà, en faisant cette prise de vue là, qui va certainement être verticale elle aussi, et bien ça va me permettre aussi de jouer avec l'eau, soit une eau complètement lisse, soit de lisser les nuages parce qu'en fait il n'y a pas de matière dans les nuages, donc de vraiment étendre mes poses longues pour avoir vraiment quelque chose de lisse en bas, de lisse en haut et les bâtiments au milieu. Donc ça pourra être très sympa. En plus je sais que tous les soirs, en tout cas a priori, il y a un très très gros bateau qui passe sur la Seine et qui traverse d'ici et qui traverse Paris. Et donc si je peux le choper et choper ces traînées lumineuses, parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne, et bah ça sera vraiment un bonus. Et comme ça me permettra d'avoir cette photo là avec les traînées d'un bateau ou du bateau en question, et en fait de l'autre côté et bah aussi des traînées lumineuses, mais cette fois-ci des traînées des voitures. Voilà, donc là bah, je vais juste prendre patience, attendre gentiment que la nuit s'installe, en tout cas que le coucher de soleil s'installe, et puis ensuite je vais faire mes prises de vue et puis je vais vous montrer tout ça tranquillement. Bon, direction mon plan C1, là où j'étais au C2, voilà, la nuit est tombée. J'aurais espéré, mais vraiment espéré que ce pont, voilà, pont que vous voyez là, s'allume, s'éclaire par le dessous, mais en fait, il veut pas. Donc j'ai fait toute une série de photos, vous avez vu déjà le résultat. Je vais certainement, au moment où je vous parle, voilà, composer la photo avec différentes photos pour vraiment avoir différentes expositions, que ce soit le bas de l'image, le haut de l'image, le ciel, les immeubles, tout un tas de trucs. Je me speed un petit peu parce que je voudrais vraiment arriver à mon autre point de vue avant que le ciel perde de sa petite couleur un peu violette. Voilà. Ou en tout cas,
le look se passe pas du tout comme j'avais prévu. Voilà. En tout cas, j'ai un sujet en attente. Il faut que je me renseigne pour pouvoir accéder aux choses correctement. Là, vraiment, c'est un mauvais concours de circonstances qui fait que j'ai pas pu accéder à mon plan 1. Mais c'est pas grave. Direction mon deuxième point de vue. Je fais la photo et je vous montre tout ça, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà, un peu speed comme truc, mais une fois de plus, bah, vous êtes dans le jus avec moi. Et bien voilà, je viens de finir ma session photo, pas de photo verticale. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une photo horizontale. Au niveau de la photo verticale, j'avais un élément parasite, le lampadaire, qui me prenait trop de place. Et ça me frustrait, donc je me suis dit autant partir sur une photo verticale et autant incorporer à l'intérieur les éléments parasites qui étaient les deux lampadaires et notamment l'arbre qui capte beaucoup de lumière. Je me suis dit voilà, ça peut amener, on va dire, une présence de couleur chaude sur un fond en arrière-plan excessivement froid. Donc malgré tout, je me suis dit qu'en post-production, je pourrais bien gérer cet équilibre-là et aboutir à la photo que vous avez déjà vue. En tout cas, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui va vers le haut et même à vous abonner à cette chaîne YouTube et à partager son existence sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail et de me motiver à continuer à faire ce type de vlog et à vivre ce type d'aventure. En tout cas, moi, d'ici mon prochain vlog, je vous souhaite de faire de très belles photos et de vivre comme moi de magnifiques aventures. À très bientôt, bye bye.